Yo les Icos, bienvenue sur la chaîne de l'EMA et aujourd'hui on va parler de 4 exercices qui vont vous permettre de vous échauffer et d'avoir une pratique quotidienne ou hebdomadaire la plus efficace possible. Jingle. Donc les amis, on m'a demandé s'il était possible de faire une vidéo sur comment organiser une séance de guitare. C'est assez délicat de répondre à ça parce que ça dépend de votre niveau, de ce que vous avez envie de faire, de vos objectifs, de votre temps, surtout de votre temps et de votre motivation. Par contre, ce qu'il est très très important d'organiser et qui doit être commun à tout le monde, c'est l'échauffement. L'échauffement, c'est le plus important qui soit. C'est-à-dire que même si vous disposez de peu de temps pour travailler votre instrument, s'échauffer, c'est ce qui va vous permettre de non seulement d'être dans des conditions optimales pour pouvoir travailler, mais en plus, ce qui va vous permettre de développer des mécanismes que vous n'aurez pas si vous ne le faites pas. On va voir ça à travers 4 exercices fondamentaux qui vont vous permettre de travailler soit la main droite, soit la main gauche, soit les deux et de développer votre synchronisation, votre délié et à la fin, votre mécanisme. Petit exercice 1. L'exercice 1, pour ceux qui m'ont en cours, vous le faites depuis le début. C'est ce que j'appelle le délié doigt classique. Le délié doigt classique, ça ressemble à ça. Donc, vous avez vu, ça dure à peu près 2 minutes. Pour les bienfaits de la vidéo, j'ai mis le métronome à 80 pour que ça aille un tout petit peu plus vite. J'aurais pu le mettre un peu plus vite aussi. C'est pas l'idée. C'est pas un concours de vitesse. Encore une fois, on est là pour échauffer les doigts de la main gauche et se délier un peu la main droite. Alors, dans tous les masterclass que j'ai pu faire, dans toutes les chaque fois que j'ai pris des cours, quel que soit le niveau du prof, il faisait cet exercice. C'est bien simple, il n'y a pas une fois où quelqu'un prend la guitare, que ce soit un professionnel ou un amateur, sans faire cet exercice. Alors après, quelle que soit la vitesse, hein, l'idée ici c'est de travailler chacun de vos muscles. Alors au départ on part sur index majeur, puis majeur index, annulaire, pardon, annulaire petit doigt. Et on va les mettre sur chacun une case. L'idée ici c'est de travailler sa souplesse, donc on vient bien poser le pouce derrière la guitare, on vient bien poser nos doigts chacun sur une corde et on vient, attention, bien important, garder son index à plat sur tout le manche.
Et après, on viendra ce qu'on appelle marcher. Donc, je vais le montrer sur les quatre doigts en même temps. Quand on marche, on pose les quatre doigts sur la guitare. Et à chaque fois, on le fait en aller-retour. 1, 2, 3, 4. Ce qui fait que je me retrouve bien sur la case 5, 6, 7 et 8 avec mes quatre doigts bien posés sur la guitare et mon index bien à plat. Alors pourquoi l'index à plat? C'est simple, parce que là j'ai la note et ici je viens étouffer les notes que je veux pas. Et ça, ce sera très très important dans votre phrasé et pour les exercices qui viendront après pour la propreté. Donc une fois que j'ai mes quatre doigts bien à plat sur la corde de mi, c'est là où je vais lever mon index et on recommence sur la corde de la. Et au moment où je gratte avec l'index, je lève tous les autres doigts et je recommence. Doucement jusqu'à ce que j'arrive au bout sur la corde de mi aiguë. Où je serai comme ça. Alors on évite de mettre le pouce ici ou de côté. D'accord? Le pouce il n'a pas bougé et j'ai la main bien à plat, le poignet bien cassé. Comme d'habitude. Arrivé sur la corde de mi, je recommence et je vais de la corde de mi aiguë vers la mi grave. Et pour ça, je recommence en attaquant vers le bas. 1, 2, 3, 4. Et je vous dis n'importe quoi parce que là, on recommence à partir du petit doigt. Donc 1, 2, 3, 4. Et là, vous voyez que il me reste plus que l'index et je recommence ici. Alors parlons un petit peu des erreurs à ne pas faire. Les erreurs à éviter, ce sont justement de faire la danseuse avec les doigts. Ça. Ça va vous demander beaucoup plus d'efforts et ça va vous demander beaucoup plus d'efforts de déplacement et vous n'allez pas être propre à la fin. Idem ici. Ça sert à rien. On garde la bien droite. Et on limite ses mouvements au maximum pour être le plus efficace possible. Voilà pour l'exercice 1. Maintenant, passons à l'exercice 2. Exercice 2, cette fois-ci on va se concentrer sur notre main droite, c'est-à-dire que là on a bien travaillé le délié pour les muscles de notre main gauche, que ce soit la tenue avec le pouce, ouais, on n'appuie pas trop fort, si on a mal à l'intérieur de la main ou dans le poignet, c'est dommage, c'est pas le but en tout cas, et on écarte bien ses doigts un par case, comme ça. Maintenant on va travailler un petit peu notre main droite, donc on n'aura pas besoin de la main gauche. Ici sur cet exercice, je le fais en étouffé, vous le voyez, vous le verrez, vous l'avez vu, pardon, sur l'exercice là, je le fais en étouffé. Vous pouvez étouffer aussi avec votre main gauche, à savoir vous la posez sur les cordes, on n'appuie pas sinon on aura son dégueulasse. Hein. Ce qu'on veut c'est juste ça. Je viens juste poser le doigt sur mes cordes pour plus avoir de son et après je travaille juste mon mouvement au poignet. Encore une fois, je le travaille très lentement et je me fais 1, 2, puis je change, etc, etc, jusqu'à arriver à la corde de mi. Et la corde de mi, je recommence en attaquant vers le bas. La deuxième variante sera de quadrupler chaque note, donc de jouer en double croche. Et la troisième variante, la plus difficile, elle sera de faire du triolet. Alors triolet, pourquoi c'est difficile? C'est parce que vous avez un nombre impair de notes sur chaque corde, ce qui fait que vous allez inverser votre mouvement sur le bras droit. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Ok? Donc ça, c'est un exercice à faire que lorsque vous aurez maîtrisé les deux autres. Concernant l'attaque au médiator, je le tiens fermement entre le pouce et l'index. Par contre, c'est mon poignet qui travaille. Et le poignet qui travaille, c'est lui qui va vous donner le son. L'idée, c'est qu'entre chaque note,
j'ai le même son. Je ne veux pas attaquer comme un dingue sur la corde de mi pour attaquer tout doucement sur l'autre. Pour ça, mon bras vient se poser, l'avant-bras vient se poser sur ma guitare, ici sur la caisse. Par contre, mon poignet n'est jamais posé sur les cordes. Sinon, à la fin, je ressemble à ça et je ne peux plus travailler correctement. Il n'y a que mon avant-bras qui est posé, mon poignet est libre et je viens après simplement faire les mouvements en attaquant toujours la même manière. Et vous voyez, je monte et je redescends. Ça, c'est pour la mécanique main droite. Très très important parce que souvent on se concentre sur celle-ci. Forcément, on pense à celle-là. Mais la main chef d'orchestre, c'est celle-ci. Et c'est celle-là qui va vous donner le son. Maintenant, on passe directement à l'exercice 3. Exercice 3, à l'exercice 3, on va combiner un petit peu les deux premiers exercices en se déplaçant sur le manche. Alors, le premier, on était sur la case 5. Le deuxième, on a utilisé que la main droite. Du coup, le troisième exercice, lui, on va partir de la case 1 et on va utiliser tous nos doigts. Sauf que, en plus d'utiliser tous nos doigts et de l'aller-retour en main droite, sur chaque corde, on va se déplacer tout le long du manche en diagonale. Et pour se déplacer tout le long du manche en diagonale, on va déplacer tout le bloc de doigts. C'est-à-dire que là, je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais déplacer d'un coup mon pouce, mes doigts et ma main sur la deuxième case de la corde là. Voilà. Et là, vous avez vraiment l'impression d'une araignée qui se déplace. L'erreur à ne pas faire ici, c'est ça. 2, 3, 4... Là, vous avez vu ma main se contracter. Ça, c'est à ne pas faire. Non, on bloque, on déplace tous les blocs en même temps. Oh, je déplace. Je me déplace. Et arrivé ici, je me redéplace d'une case. Et je fais pareil. En descendant sur chaque corde. Encore une fois, je le répète parce que c'est très important pour la vidéo. C'est à 80 à la noire et vous avez le droit de le faire à 60 à la noire s'il le faut. C'est même conseillé, c'est pas un concours de vitesse, ça ne sert à rien. Ce qu'on veut, c'est le mécanisme, ce qui vous donnera le son que vous aurez en tant que guitariste. C'est votre synchro des deux mains et la synchro, elle passe par là. Essayez de faire cet exercice vite sans bien comprendre comment on se déplace et sans avoir bien les doigts déliés et bien sûr les doigts appuyés sur les bas des frettes, hein, comme je l'ai dit en cours. C'est comme essayer de courir sans savoir marcher. Au bout d'un moment, on se pète la gueule et ça marche pas. L'autre variante de cet exercice, donc pour les gens qui sont un peu plus avancés, c'est de faire la même chose mais en sautant des cordes. Donc sauter des cordes, c'est un peu comme l'autre exercice. Il va falloir bien maîtriser sa main droite. Donc là, je pars pareil, première case. Puis je vais sauter sur la deuxième case, mais cette fois-ci corde ré. Puis troisième case, corde la. Quatrième case, corde sol. Donc là, vous avez vu, je le fais de manière totalement arythmique. Dans la vidéo, c'est beaucoup plus rythmique et c'est comme ça qu'il faut le travailler avec un métronome. Puis arrivé au bout, là, je repars sur la 12e case, mais avec en partant des aigus, donc. Puis je saute. Etc, etc. Vous avez bien compris le principe à travailler lentement et ça viendra tout seul. On passe maintenant à l'exercice 4 qui est le plus difficile. Thank you.
Exercice 4. Alors l'exercice 4, je sens qu'il y en a qui vont me détester là-dessus. Mais vous savez que si je fais ça, c'est pour votre bien. Donc, l'exercice 4, c'est comme si on allait faire un barré sur la cinquième frette de la corde de mi pour faire un la majeur. Et là, je vous entends, ouais, mais on sait pas faire les barrés, etc. Eh ben, on s'en fiche parce qu'ici, on va pas faire de barré. C'est comme si, c'est une position, mais chaque fois, on va délier nos doigts pour faire le barré. Donc, ça veut dire qu'on va travailler en arpège et à chaque fois, on va alterner un mouvement. Main droite, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Et c'est là où ça va être le plus compliqué. Et je recommence après sur l'accord de mi. Bas, haut, bas, et vous voyez qu'à chaque fois, mon index a un rôle primordial là-dedans. C'est lui qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas toutes les frettes qui résonnent, sinon ça devient le gros bordel. Là, je reste appuyé. C'est moi qui décide si ça doit sonner ou pas. Ensuite, je vais doubler les notes. Et les triplés, pareil, même manière, à savoir qu'on va inverser les mouvements. 1, 2, 3. Pardon. Etc. Etc. Voilà pour les exercices. Voilà pour les quatre premiers exercices fondamentaux. Alors, vous imaginez bien qu'il existe des milliards de variantes et des milliards de variantes qui deviennent de plus en plus compliqués et adaptables en fonction de votre envie, de votre niveau, etc. Par contre, tous ces exercices-là cumulés, si vous les faites lentement avec un métronome, ça ne vous prendra pas plus de 10 minutes. 10 minutes à chaque fois que vous prenez votre guitare, c'est rien du tout. Vous m'avez vu le faire sur une guitare électrique, ça marche sur une guitare folk et ça marche sur la basse. Bien sûr, sur la basse, vous aurez moins de cordes. Et surtout, vous travaillerez au doigt. Mais c'est pareil, hein. La synchro se fait de la même manière, le déplacement aussi. Vous avez bien compris que l'idée, c'était de travailler la mécanique. Alors, c'est quelque chose que vous n'arriverez peut-être pas à maîtriser d'une séance sur l'autre, d'un jour sur l'autre. Mais par contre, si vous me faites confiance, au bout de 2 mois de pratique de ces exercices, chaque fois que vous prenez l'instrument, ça peut être une, deux, trois, quatre fois dans la semaine, ou ça peut être tous les jours. Vous verrez que les progrès vont être fulgurants parce que plus vous passez de temps sur votre instrument, plus vous allez le connaître. Minou, je travaille. Plus vous allez connaître votre instrument. Et ça, forcément, le lien avec votre instrument, rien ne pourra remplacer. Vous aurez beau avoir le meilleur instrument du monde, le meilleur ampli du monde, ne fonctionnera pas. Sur ce, les amis, à vous de travailler.